Karis Makki est un cinéaste finlandais. C'est un personnage tout à fait passionnant, Karis Makki. Très étrange, capable de, justement d'entreprendre un film comme celui-ci. Donc, revenir au temps du muet, quand on sait le succès que l'on a fait, enfin, c'est relatif, qu'on a fait à The Artist, justement, qui rejoue le cinéma muet. Je trouve que ce que fait Aki Kaurismäki, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus culotté d'ailleurs, de refaire le bon vieux mélodrame 1900, justement avec la manière du muet, avec le jeu. Enfin, c'est très savant. C'est un jeu d'acteur du muet, mais extrêmement stylisé. Donc, on voit que ça a été repensé dans le jeu. C'est tout à fait passionnant de faire ce travail. En plus, avec l'actrice Fétiche, qu'il a quasiment dans tous ses films, qui est, c'est plus son prénom, Outinen, donc la femme qui joue, et qui est tout à fait remarquable. Avec le français André Wilm, justement, qui joue le souteneur distingué, et bon, l'autre acteur qui est purement finlandais, que vous avez pu voir. Moi, j'aimerais maintenant peut-être vous laisser un peu la parole, parce que c'est un film qui, je pense, en tout cas, au moins vous a surpris au début, après vous êtes habitué à accepter le muet. Simplement, encore un petit détail en passant. Le Karis Makki, le frère aîné, et à qui la même chose, sont des gens qui sont d'abord, peut-être plus, je dirais pas plus, c'est pas vrai, ils sont cinéastes, mais ils sont au moins aussi passionnés par la musique, et en particulier la musique populaire. Et ici, il est évident que Aki Karis Makki a voulu faire un film où la musique a un rôle important, et c'est une musique justement dite populaire, mais une musique qui n'est pas du tout indifférente, sachant qu'en Finlande, ben c'est le deuxième pays au monde du tango, c'est-à-dire qu'ils sont au moins aussi argentins que les Argentins. D'ailleurs, l'orchestre est un orchestre de tango, et à la fin, vous avez un véritable tango. En même temps aussi, cette musique populaire n'est pas une musique purement lacrymale. C'est une musique qui a un référent politique, disons quand même, d'une certaine façon, de protestation. Et ce n'est pas pour rien, évidemment, que dans le film, vous avez dû, je pense, être un peu stupéfait de vous entendre le temps des cerises, sachant que le temps des cerises n'est pas une chanson tout à fait innocente. Donc, elle n'est pas là pour rien. Et il est évident qu'on vous raconte un film qui est un peu sur le sujet que traite Karis Makki dans tous ses films, une sorte de critique, bon, je dirais pas poussée, c'est pas une critique qui est violente, c'est une critique un peu ironique sur le monde de l'argent, quoi. Une société qui ne fonctionne que sur l'argent et que sur l'idée de l'argent. Le film, dans son côté mélo, c'est bien de ça dont il est question, avec évidemment les grands sentiments nécessaires pour que le mélo se développe dans toute sa splendeur. Donc il faut quand même que l'amour, le vrai amour, le bonheur dans le travail difficile, tout ça soit bien mis en place par rapport à... l'un des grands thèmes du mélodrame du 19e siècle, c'est qu'il a malheureusement occupé une place politique importante au 20e, c'est-à-dire la campagne a toutes les vertus, la ville a tous les défauts. Quand on sait à quel point ça a été utilisé
par tous les régimes politiques à tendance dictatoriaux, que ce soit à l'extrême droite, style fascisme, nazisme ou pétinisme, qui était, c'était exactement ça, la campagne est vertueuse, la ville est pécheresse et criminelle. Mais aussi, c'était aussi, tout aussi vrai chez les communistes, etc. C'était vraiment la grande thématique du XXe siècle pour scinder en deux le monde bien et le monde mauvais. Le monde bien, c'est la campagne, le monde mauvais, c'est la ville. Bon. Alors là, il reprend ce thème-là, évidemment, avec quand même distance et ironie, et il en fait justement une thématique, d'où l'intelligence d'avoir été choisir cette chanson donc des communards, donc enfin communardes du temps des cerises, parce que comme vous le savez, c'est une chanson de je crois que c'est 70 ou 71 de 1971 du temps de la commune et de la répression de la commune. Bon, alors voilà quelques références. À vous peut-être maintenant d'en parler, parce que je voudrais bien savoir quelles ont été vos réactions. Une fois passé, je répète, la surprise de voir le film muet. Oui. Oui, bonsoir. Moi, c'est vrai que j'étais assez surpris par le film. J'arrive pas du tout à cerner quel est l'enjeu esthétique ici du cinéaste, puisqu'à la fois il reprend beaucoup d'éléments du muet ancien, il n'est pas dans une démarche de netteté ou d'utilisation des moyens modernes pour refaire un film muet, donc il y a une dimension de pastiche, et en même temps j'ai l'impression qu'il y a comme une ironie avec des symboles un peu gros, quand par exemple Chemeka écrase une fleur par terre. Quand le souteneur, par exemple, écrase une fleur par terre, puis un papillon, ouais. Tout un symbolisme un petit peu ancien, mais j'ai l'impression qu'il y a une ironie dans cette... Oui, ouais. Il y a une volonté de pas faire une caricature, mais une certaine moquerie d'un certain style, mais en même temps extrêmement stylisé. Parce que, au point de vue... bon, sauf qu'il y a eu, je pense, des problèmes un peu de points à la fin, même s'il y a un travail sur le flou qui est proposé, il n'empêche que, là, c'est le problème des pellicules aujourd'hui, les opérateurs n'ont plus l'habitude de la pellicule, donc faire le point, c'est pas toujours facile. Donc, on a eu des flous, dans des flous, mais qui sont un peu trop flous par rapport aux flous. Bon. D'accord. Donc, c'est une chose. Mais en revanche, c'est d'abord un exercice de style, d'accord, mais justement de style extrêmement plastique. C'est très beau, plastiquement parlant. Tous les plans. Alors, bien sûr qu'il y a des références précises. Bon, entre autres, il y a le souteneur au début, et travailler, il y a un plan qui renvoie directement au Mabuse de Fritz Lang de 1932 d'ailleurs. Un Mabuse parlant, pas un Mabuse muet. Quand ils sont dans la voiture décapotable, on a vraiment l'impression du moment de la fin de Mabuse. Et il y a beaucoup de références au cinéma muet, avec hommage à ce cinéma muet, mais en même temps aussi. Je fais ça à l'époque du parlant, en 90, donc ça fait déjà 50 ans que le cinéma est parlant, donc je reviens au muet, je le pastiche, oui c'est vrai, mais en même temps, je me sers quand même de ce cinéma pour réexprimer des sentiments pas ridicules, mais un peu... ironie, quoi. On est dans ce type d'ironie, mais qui ont une certaine beauté. Et là, j'avoue que pour travailler un mélodrame comme ça, en lui donnant un statut de film de haute qualité, bravo, parce que sinon, c'est les mélodrames. Il
qu'il y a beaucoup, eu beaucoup de films, de mélodrames, même du temps du... En plus, si on prend le cinéma de... j'ai oublié son nom, évidemment. Le cinéma mexicain de 1940-50, qui travaillait le vrai bon mélodrame, mais de façon parlante. Et sans ironie. Alors que là, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est... On est un peu dans le pastiche, mais malgré tout... Il y a une beauté des sentiments et surtout, ce que je trouve très fort, il y a une vérité des personnages. La femme est tout à fait passionnante comme évolution, naïve, d'accord, un peu limitée sur la compréhension du monde, mais en même temps, c'est un très beau personnage. Le personnage du mari est aussi un très beau personnage et le personnage du souteneur est un moins beau personnage peut-être, mais pas inintéressant, c'est-à-dire qu'il n'est pas le souteneur facile, non, c'est plus complexe. En plus, il y a quand même une sœur qui est protectrice de ces pauvres femmes, un peu abandonnées à la prostitution, tout ça avec une certaine élégance. Quoi. Oui, bien sûr que c'est très surprenant parce que il y a un jeu, et quand même au bout de quelques minutes, enfin disons une bonne dizaine de minutes, le spectateur a compris que c'est un jeu. Bon, ça je pense vraiment que vous contredisiez, mais et ce jeu est finalement admirablement joué et très bien tenu de bout en bout. Et il y a une force, une élégance dans l'art de filmer. Qui est d'ailleurs le propre de Kaurismäki. C'est un cinéaste faussement, enfin, qui travaille le genre, pas le genre, qui travaille le style réaliste d'une façon irréaliste. Et c'est très intéressant de voir tous ces films, d'ailleurs. Tous ces films ont ce côté décalage. À la fois, on a le paysage, enfin, c'est réaliste, mais la structure est toujours... Je dirais pas fantastique, mais on est dans un autre monde quand même. Et ce parti pris stylistique nous permet d'être dans un autre monde, à commencer, ce que je trouve très beau aussi dans le film, à commencer par celui du cinéma. On est dans le monde du cinéma, et dans sa représentation du monde réel, mais dans cet univers qui est celui du cheminement des sentiments malheureux. Mais en même temps, triomphant malgré tout. Oui. Et une dernière question. Qu'est-ce que vous pensez de la petite entorse au muet strict qui est de la petite entorse qui est faite au strictement muet avec la chanson. Avec les bruits technologiques, en fait. La voiture qui démarre. Oui, le coup de feu, etc. Ouais. Ah bah oui, mais ça, justement, c'est le petit point, ça. C'est le petit point d'humour. Je ne vous fais pas de parole, sauf la chanson, mais en revanche, vous aurez non pas le bruitage, mais juste des petits éléments de bruitage, qui en même temps vont jouer avec la musique et en complément de la musique, ou en dramatisation, enfin en rapport dramatique ou conflictuel avec la musique, des signes du son réel qui devient à ce moment-là un son mythique et non plus réaliste. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, très bien. C'est ça qui est intéressant. Et il y a une façon de remettre à plat les différents éléments et d'un seul coup de les retravailler autrement. Et en effet, le son est quand même présent. C'est un film sonore, c'est un film non parlant, mais profondément sonore, à commencer par la musique, et justement, ces bruits du réel, qui sont aussi comme des résonances musicales, mais réalistes. Ce qui permet d'ailleurs, tout d'abord, entre vous, si vous prenez la fin, on vous entendait les coups de feu, boum, boum, ça vous entendez. Bon, normalement, vous auriez droit à voir quand même notre pauvre mari s'écroulait, mais non, justement, ce qui est merveilleux, c'est que ces deux bruits mythiques des coups de feu, qui normalement devraient
faire qu'il s'écroule. Non, au contraire, ça lui donne une espèce de force mythique, de force fantastique qui lui permet d'aller, de poursuivre son souteneur, de le tuer dans la frigidaire ou je ne sais pas quoi, et ensuite d'aller sauver l'enfant et la femme aimée pour la laisser partir et mourir. Enfin, c'est une fin complètement... j'adore quand on ose aller comme ça, faire une fin comme ça, et sans se casser la figure. Le spectateur l'accepte quand même, alors que, bon... Il va loin dans le culot, quoi. Il va loin. Oui. Toute dernière question. Il y a énormément d'éclats de pellicule. Est-ce que c'est une volonté en post-production? Parce qu'il y en a presque plus que dans le muet des années 30 ou 25. Ah oui, mais ça, c'est sûr. Ça, oui, d'accord. Ça, l'éclairage est, de ce point de vue-là, très, très... c'est pour ça qu'il y a un problème. On est au bord, souvent, du surex. De la surexposition. D'où ces moments où, en effet, d'un seul coup, ça devient flou. Alors, je répète, il y a des flous qui sont voulus et peut-être des flous qui sont un peu trop présents. Et surtout à la fin, ça devient fatigant. C'est un peu le risque que lorsqu'on joue jusqu'aux limites des possibilités techniques. Ouais. Merci. D'autres réactions, peut-être ? Oui. Je suis surpris par la coïncidence que je pense liée purement au hasard entre le sujet du film et puis l'actualité politique sur le projet contre les clients de prostituées. Oui, voilà. Est-ce que ça a eu une résonance? Moi, ça a eu une résonance sur moi, ça. Ah oui, mais ça, aujourd'hui, ça ferait du monde. Hein, ça ferait tout le beau monde qui serait en prison, là. Oui, pardon, attendez, monsieur ici. Moi, il y a une chose qui me frappe dans les films de Coris Maki, c'est le côté intemporel. Pour chacun de ces films, et je trouvais quand vous parliez du réalisme filmé de façon non réaliste, il y a quelque chose, et je crois que c'est... Enfin, j'ai pas en tête un film de Coris Maki qui m'ait pas marqué sur ce point-là. Et quand on recherche à quelle époque ça peut correspondre, bon, il n'y a pas une cohérence des éléments. Bon, il y a des éléments qui font dire on est dans les années 60. Et le premier film moi, que j'avais vu de Coris Maki, c'est Tiens ton foulard, Tatiana. Où là aussi, Tiens ton foulard, Tatiana, ah oui. Qui est sur lequel j'étais tombé complètement par hasard à la télé, et j'avais été absolument stupéfait. Je me dis, mais dans quelle époque est-on, quoi? Et tous ces films me font cet effet-là, et je trouve que c'est très fort d'un point de vue cinématographique, quoi. C'est côté intemporel. Dans quelle époque est-on et... Ben, je vais vous répondre alors quelque chose qui est... Évidemment, je ne devrais pas répondre ça, mais en même temps, puisque je l'ai rencontré, je l'ai vu. L'intemporalité, c'est un peu le... Entre 10h du matin et minuit, quoi. C'est-à-dire que lorsque vous êtes à un autre degré de flottaison. Non, mais c'est ce que vous dites est vrai. C'est-à-dire que tous ces films ont ce côté où, en effet, par exemple, il peut se payer le luxe que je viens de raconter sur à la fin le mari qui reçoit trois balles dans le corps et qui ne tombe pas, etc. Parce que le temps, justement, l'autre temporalité est plus importante. Mais dans tous ces films, il y a ça, c'est vrai. Tous ces films ont une sorte de distanciation par rapport au temps réel par un jeu de dramatisation qui s'intéresse au sentiment du temps et non aux impressions du temps. Enfin, et c'est ça qui est travaillé. C'est pour ça que
ces films ont tout ce côté-là, côté un peu rêverie en fait, une sorte de rêverie dans lesquelles les personnages sont pris et aiment, je ne dirais pas s'enfoncer, mais en tous les cas, aiment se baigner dans cette rêverie, aiment se réfugier plutôt, ce serait plutôt le... c'est en fait l'histoire de la fille. On a d'un seul coup le luxe qui arrive, on a la vie facile, on a la ville qui arrive. Bon, on rêve. Et on perd le sens du temps. Et ce n'est pas pour rien que tout le début du film, en revanche, est un peu documentaire. Le marché, les choux, je crois que c'est des choux, des choux. Oh, bon. Bon, c'est plus particulier mon domaine, mais on a tout ça, la ferme, tout ça est assez réaliste, c'est une temporalité qui est bon, normale. Et d'un seul coup, arrive cette voiture, ce luxe, et bon, le monde, on le refuse évidemment au début, et puis on se laisse séduire, et on se laisse emporter, etc. Et on passe sur une autre temporalité. Et vous avez entièrement raison. Ça, c'est vraiment la marque de Kurosawa. Et c'est vrai que sa haute capacité alcoolique, ça aide. D'accord. Et il a ça. Vous savez, il y a quelques alcooliques dans le cinéma, et c'est pas inintéressant de voir leurs films, justement. Il y a d'autres choses qui se passent. Vous parliez de la musique. Moi, ce qui me fascine chez lui, c'est que dans tous ses films, il y a une scène récurrente qui est la scène de l'orchestre avec le bal. Avec le bal et le tango. Et le tango, oui. Oui, parce les Finlandais revendiquant d'ailleurs être les inventeurs du tango. En plus, sur le plan musical, n'a pas grand-chose à voir avec le tango argentin, d'ailleurs. Moi, je ne connais rien, mais eux prétendent que c'est eux le tango. Oui, c'est vrai, c'est ce que vous dites au fond. Que le tango, c'est le leur, et que les Argentins leur ont volé le tango. Mais c'est exact. Bon, mais... D'ailleurs, Kaurismäki a fait un documentaire sur ce sujet. Oui, bien sûr. Non, le frère, je crois. Pour moi, c'est acquis. Je veux dire, c'est acquis. Ça figure dans le coffret de tous les films de Kaurismäki comme étant un bonus. Acquis. Bon, d'accord. Bon, enfin, parce que le frère aussi, je ne sais plus lequel des deux. Donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui, dans chacun de leurs films, font la même scène, quoi. Oui, je sais pas, vous en connaissez d'autres qui... Non, pas vraiment. Enfin, tous les grands cinéastes ont une répétition, mais pas identique. L'identique, ça, évidemment, il faut quand même des gens qui sont ailleurs ou acceptent d'être ailleurs. C'est vrai. Dans ça, vous avez raison. Vous connaissez bien, alors, évidemment, le cinéma de Kurosawa, alors. J'ai découvert une fois par hasard, en tombant sur le théâtre de foulard Tatiana à la télé, j'étais absolument fasciné. Donc ensuite, je me suis aperçu que j'avais déjà vu d'autres films de lui. Bon, et puis j'ai fini par acheter le coffret. Ce que j'aime moins, c'est la série des Leningrad Cowboy. Bon, c'est un peu plus... Il fallait bien qu'il le fasse aussi, mais... Oui. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est un des grands cinéastes européens, en fait. Mais bon... quoi qu'en France, il est quand même pas méconnu, quand même. Il ne faut pas exagérer non plus. On le connaît. Il y a d'autres cinéastes scandinaves... qui sont plus inconnus. Enfin, malgré tout, l'argent de Trier commence à être connu, Suzanne Bier commence à être connu, en Norvège aussi, les noms, c'est-à-dire catastrophique, qui commence à être connu. Bon, on ne parle pas de Bergman, de Dreyer, etc., ou Sjöström. Bon, il y a quand même, chez les Scandinaves, dans les quatre pays scandinaves, il y a quand même un cinéma important et qui reste un cinéma
mais qui appartient au grand au cinéma mondial. Après tout, Dreyer ou Bergman, ça fait partie des très grands. Charisma qui n'arrive peut-être pas à ce niveau-là, il n'empêche que c'est un des grands cinéastes européens, quand même, aujourd'hui. On peut signaler qu'il fait une apparition dans le film de Kerven et de ceux qui font Groland, là, Avila, non Bon, et il faut dire que les Flamands, je dirais une chose qui n'a rien à voir avec le film d'aujourd'hui, mais je considère que la France qui a été la défendresse de l'école surréaliste, en fait, on n'est pas surréaliste en France, vraiment. Les surréalistes, il faut les chercher en Espagne, il faut les chercher en Flandre. Les Flamands sont surréalistes. Et quand on voit justement même dans le cinéma, on se rend compte qu'ils ont un côté surréaliste. Chez Kiarostami, c'est pas directement surréaliste, mais bon, en revanche, quand on voit Dreyer a fréquenté, il a même fait travailler Artaud. Donc, ce sont des gens qui ont été touchés par le surréalisme. C'est intéressant de voir aussi les influences et que, la France n'est pas portée sur le surréalisme, en fait. La culture française, même si bon, on a des gens revendiqués surréalistes. C'est vrai, bon, c'est autre chose. Oui, pardon. Bah, justement, vous parlez des références. J'ai remarqué que dans le film, tout d'un coup, il apparaît sur un tableau. Alors, je n'ai pas bien eu le temps de lire, mais c'était en anglais. Il y avait quelque chose, This Man, et c'était signé Sam Fuller. Oui, Donc, je voudrais savoir est-ce que c'était un titre de film ou... Enfin, et est-ce que Kiarostami a un rapport particulier avec Fuller, Je ne sais pas s'il l'a rencontré. C'est possible, puisque Fuller était en France. Fuller a dû aller... parce que justement, la personne que je regardais, c'était Peter Von Bagg. Et Peter Von Bagg est un grand critique, aussi un cinéaste et conservateur de films à Helsinki, d'un type remarquable. Et on l'aperçoit au moment de la scène du mariage, lorsqu'ils reçoivent le riz. Bon, il est présent. Donc, Peter Von Bagg, justement... considère, d'abord il est très très habillé avec Kiarostami, premier point, et d'autre part il considère que le cinéma finlandais est un cinéma tout à fait distant des autres cinémas scandinaves. C'est encore un autre monde. C'est très étrange la Finlande, parce que ceux qui y sont allés... Je connais que Pasilina, mais c'est déjà l'univers de Pasilina, c'est pas du cinéma, je trouve qu'on voit un peu. Ouais, c'est une culture très, très, très intéressante, très, très différente dans tous les cas de la Suède. Très. Ouais. Allez-y. Et donc justement, dans la plaquette de présentation, on faisait évidemment allusion à l'Aurore de Murnau, et j'aurais bien savoir ce que vous en diriez, parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de rapports en fait. Bah, si, c'est par rapport à l'idée du muet et de la beauté plastique recherchée. Mais très différente. Bien sûr, très différente. Mais avec quand même le sujet, qui est quand même le sujet justement de l'aurore, et aussi de City Girl, le monde de la ville et le monde de la campagne. Le monde de la campagne, je répète, est le monde sain, le monde propre, le monde honnête. Et le monde de la ville, c'est le monde... Et l'aurore, c'est cette histoire-là. Et en plus, ça s'arrange. Comment ? En plus, dans l'aurore, ça s'arrange, si je me souviens bien. Alors que là, au contraire, il n'y a pas de... On ne va pas jusqu'à dire que tout va s'arranger. Là, on va au bout. Ouais. Mais... pour moi, avec quand même l'ironie. C'est vrai. Non, mais de toute façon, il ne faut pas oublier que... reprenons... le mot de Henri Langlois, qui était le fondateur de la Cinémathèque française, quand il disait que si le cinéma était né immédiatement parlant, sonore bien sûr, mais surtout parlant, il n'y aurait pas eu d'art de cinéma.
ce qui a permis l'art du cinéma, c'est les 30 ans de cinéma muet. Parce qu'il a fallu inventer une écriture, une dramaturgie qui n'appartienne qu'au cinéma. Et c'est en particulier dans la dernière période du muet, de 1915 à 1930, que c'est véritablement inventé l'art du cinéma. Et plastiquement, l'écriture du montage, etc., le langage, les effets dramatiques. Il y a tellement de choses complexes dans le cinéma. D'abord, cette difficulté inhérente qui n'appartient qu'au cinéma, que dans le cinéma, vous n'avez en permanence qu'un seul format du cadre. Vous êtes obligé pendant une heure et demie de répéter le même cadre. Si vous êtes un peintre, vous pouvez faire un jour un tableau de 2 mètres de, ou 3 mètres de haut sur 1 mètre de large. Et puis le tableau suivant, vous pouvez très bien le faire un grand tableau horizontal. Et le tableau suivant, vous pouvez très bien le faire en cercle, etc. Vous, à chaque fois, vous choisissez votre cadre. Et, enfin, cadre, d'abord, les deux choses. D'abord, la taille même du tableau. Et en plus, le cadre qui est aussi important du temps de la peinture classique. Alors qu'au cinéma, vous êtes obligé de répéter le même cadre, le même format, le même espace pendant une heure et demie. Donc, comment faire de la variété? Bon, la fois prochaine, le mois prochain, on va passer à Lubitsch. Lubitsch, justement, ça fait partie des choses importantes dans le cinéma. Lubitsch a fait partie des cinéastes dans les années 1920 où il cherchait à casser le cadre. Il y a un film où il y a un cadre qui est fait en triangle, un autre cadre qui est fait en ovale, etc. Donc on n'a plus le même cadre. Et aujourd'hui, cette préoccupation-là, vous l'avez encore dans la façon de... où de plus en plus, on fait un... ça s'appelle le scrim. C'est-à-dire, vous avez le cadre cassé en deux ou en quatre, avec des cadres dans le cadre. Bon. C'est en effet une préoccupation de la fabrication d'un film. Et ce problème du cadre reste quand même un des problèmes fondamentaux, et en particulier, elle a été au temps du muet. Comment travailler le même cadre? Évidemment, on ne peut le faire que par le montage, en passant d'un cadre à un autre cadre. Et le cadre a donné aussi naissance à la notion de plan. Un plan, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un cadre. Ça, bien sûr que c'est le cadre, mais en même temps, un plan, c'est une projection. Et ici, dans le film, on a des projections. C'est-à-dire que chaque image est une projection d'un certain sentiment ou d'un certain regard sûr. Et là, c'est très intéressant. Vous êtes justement dans des notions de plan. Donc là, on est justement dans une réflexion sur le cinéma. C'est ce qui rend le film tout à fait utile. Bien, ben écoutez, je ne sais pas si vous avez encore d'autres réactions. Bon, la fois prochaine, évidemment, ça sera... c'est Haute-Pègre hein, qu'on passe, c'est bien ça? Haute-Pègre, oui. C'est magnifique. Bon, de toute façon, on s'y amuse beaucoup. C'est une immense comédie. Bon, ben écoutez, donc au mois prochain. Merci beaucoup.